C'est l'histoire d'un rêve un peu fou. Celui de déménager une partie du plus grand musée du monde en plein cœur du bassin minier. Un Louvre bis à Lens. Ici, on y croit, sans complexe. Pourquoi pas le musée du Louvre ? Je me plais à y croire et à y rêver, bien entendu. Pour l'instant, c'est encore un rêve, mais qui est un rêve qui devient de plus en plus réel. L'idée est parisienne. En début d'année, le directeur du Louvre a proposé de décentraliser certaines œuvres non exposées, comme l'a fait Beaubourg à Metz. Le ministère de la Culture devra choisir entre Lyon, Montpellier et Lens, qui disposent d'un atout, ces 14 000 m² inutilisés près de la gare. Déjà, des investisseurs privés comme Eurotunnel seraient intéressés. Quant aux Lensois, d'abord perplexes, l'idée les a séduits alors que la ville accueille justement pour la première fois une exposition d'art contemporain en plein air. Pourquoi pas ? Ça change rien. Vous allez au musée, vous ? Non, jamais. Ça profiterait, je pourrais y aller au moins. Ce serait très bien. Ça relèverait la culture lensoise. Ça vous paraît pas un peu fou comme idée ? Si, mais bon, pourquoi pas ? Réponse du ministère de la Culture avant 2004.